Salut Nico. Bon ben là je vais te présenter le Mirage 2000 mais de jour cette fois-ci, pas de nuit comme précédemment. Je vais te montrer bon le démarrage et puis on va décoller de cette base et puis on va aller sur une autre base. Hein? Bon j'espère qu'on ne sera pas intercepté parce que là il y a vraiment des ennemis. Et alors là je vais te montrer l'extérieur du Mirage 2000. Armée de l'air, tu vois. Là, il est armé. Il est armé de 4 missiles RR pour l'interception aérienne et de une, deux et de demi de deux bombes GBU laser. C'est un bel appareil, hein. C'est un bel avion, le Mirage 2000. C'est le Mirage 2000 de la base de Cambrai. Ils sont comme ça, ils ont le même insigne, etc. Voilà, donc là, je vais démarrer les moteurs. On entend les interrupteurs que je touche. Ah, je regarde le nombre de tours. Ici, ce que tu vois là, c'est les tours minutes faites de l'appareil. Au ralenti, bien sûr. Hein. Voilà. Pour les réacteurs. Pourcentage. Donc là, je vais allumer tout ce qu'il faut. Le radar central, etc. Là, là, je vais allumer le radar EWR. Une alarme. Là, deux. Là, je vais allumer ça. Ça. Le radar. Puissance du radar. Feu. Ouais, ils sont. La centrale inertielle, c'est ça, tu vois. Je vais mettre la position, tu vois. Voilà, c'est sa position de notre base et de l'appareil. Voilà, apparemment tout est correct. On va pouvoir y aller. Alors, si j'oublie le frein à main. 12 000. Расходитесь. Il parle en russe parce qu'on est sur une base russe. Hein. Il y a des contrôleurs aériens russes. Voilà.
Je ferme les écoutilles. Et on décolle. Et là, on va se diriger sur le cap 278. Donc, je mets un cap de 280, c'est bon. Ça va très bien le faire. Là, on survole une autre base. Un avion en bas, tu vois. Un avion de transport. Pas mal d'avions. Je veux pas monter très haut parce que je veux consommer du carburant pour pas être trop chargé à l'atterrissage. Pour ça, donc là on est à 1300 km/h. De rentrer le tac en bas. C'est la fréquence militaire. J'avais oublié de la régler, tu vois, en partant. Voilà, là on est à 109 miles nautiques. Ça veut dire qu'on est à environ 250 km. Regardez sur la carte à combien on est. Ah, là c'est un bateau. On est. Ah, on est là, d'accord. Ouais.
montrer le porte-avions. Le porte-avions. Avion au sol, ça doit... sur des bases, ils sont là en attente, tu vois, pour décoller, etc. Voilà, on est à 56 miles nautiques, on est à 100 km là. Et là, on vole à 1300 km/h.
128. 134. Обнаружена цель. 292. Удаление. 230. На 8000. Дистанция не меняется. Base qui a été bombardée, tu vois là-bas, ici, c'est une base ça, elle a été bombardée, la base de Cutesi. Elle est vachement endommagée, hein. On peut pas atterrir ici. Voilà. On va être obligé de changer de cap. Oh putain, on peut pas atterrir là. On va atterrir. Elle est où l'autre? Je cherche l'autre base. Ou l'autre. 128. 134. Обнаружена цель. 287. Удаление. 350. На 12000. Дистанция не меняется. 44. Батарея. On va atterrir ailleurs, Nicolas. Je vais changer la fréquence là. On s'en va, on peut pas atterrir sur cette base.
ont mis la base en feu, t'as vu? Tu vas voir, je vais repasser devant. Tu vas voir tous les avions qu'il y a au sol. Regarde tous les avions qu'il y a au sol, regarde. Les avions de transport. 1, 2, la base elle est bloquée. 3. On peut pas s'atterrir comme une petite mariée là. 128-й, 134-й. Обнаружена цель. 3-1-1. Удаление. 130. На 9000. Дистанция не меняется. Il ne reste plus beaucoup de carburant en plus. Atterrir sur l'autre base en espérant qu'elle n'est pas bloquée. Là on est dans la merde hein, s'il y a des avions dessus. C'est pas ça, c'est que si on atterrit sur une base avec des avions dessus. On peut se cracher parce qu'il faut qu'il n'y ait rien au sol. D'ailleurs même là je sais même pas si... Je vois qu'il y a de la fumée sur la piste. Si l'appareil il heurte un... Comment dire? Si l'appareil il heurte un objet au sol, on explose. Hein. Et vu que la piste elle est pas très longue là, je sais même pas si on va y arriver. On va sortir le truc. Chose sur la piste, je sais pas si on va y arriver franchement, parce que si l'appareil y touche quelque chose on est mort. J'ai ouvert les aérofreins pour avoir la au moins la chance de pouvoir comment dire toucher la piste au début. Et oh putain, il y a un avion là en plus. T'as vu? On va essayer d'éviter. Putain, il y a un avion là-bas. Oh là là.
Même dangereux d'atterrir là, hein? Hyper dangereux. Ben là, on a fait un exploit, moi je te le dis. Parce qu'on a évité l'avion de justesse, on aurait pu... Comment dire? Je vais arrêter les moteurs. Ben, ils ont cloué les appareils au sol. Et nous, on est indemne. On aurait pu se crasher. Ils ont tout bombardé. J'ai évité l'appareil sur la piste de justesse. Hein. Parce que quand on atterrit sur la piste avec un Mirage 2000. On arrive à 350 km/h, hein, la phase d'atterrissage. Et ensuite, sur la piste, quand tu es sur la piste, tu es bien encore à 300 km/h. Sur la piste, tu imagines 250-300 km/h. Et après, ça ralentit progressivement, mais c'est assez long pour s'arrêter. Bon ben là franchement, c'est bien débrouillé. Bon, ben... Je vais arrêter la vidéo là, voilà, Nico. Comme ça, tu auras vu le Mirage 2000 de nuit, opéré de nuit, et le Mirage 2000 vu de le jour, avec le vol de jour. Ça, c'est bien, tu verras s'il te plaît bien cet appareil. Allez, je te dis à bientôt, Nico. Bye bye.